présenter le tour de Brunus de hier, que j'avais dit que je l'expliquerai demain, donc on est, c'est demain, aujourd'hui. Il vous trouvera un crayon où moi j'ai utilisé ma première baguette magique de ma première boîte de magie, mais vous pouvez utiliser un crayon, c'est pareil. Donc vous avez besoin de ne pas un anneau, mais de deux anneaux, voilà. Vous allez en mettre un de côté. Et là, vous allez avoir besoin de faire une petite préparation. Vous allez prendre l'anneau et le mettre, voilà. Dans, ben moi, la baguette magique, quoi. Mais vous, le crayon, on va dire, mettez-le comme ça. Et là, voilà, on peut faire le tour. Donc pour le tour, en fait, vous allez juste prendre l'anneau. Vous allez mettre votre doigt dessus, voyez. Et après, vous ramenez les doigts, bien sûr. Et vous cachez l'anneau, alors, vous voyez. Donc l'anneau, là, il est dans mon doigt. Donc si je fais ça, l'anneau va partir dans la baguette, voilà. Ça va me servir, toi, pour faire ça. Et là, en fait, vous allez prendre votre anneau. Donc là, vous avez un anneau mis là. Aussi, pour l'éjecter, je vais vous expliquer. Je vais vous refaire vite le tour de minute. Mais pour faire ça, c'est très simple. Vous allez déjà mettre l'anneau derrière votre doigt. Et là, en fait, derrière, vous allez prendre votre pouce, vous voyez. Et là, hop, vous le poussez. Et là, l'anneau, quand vous allez frapper, vous faites ça. Et là, en fait, l'anneau, vous allez faire ça avec. Pour le mettre sur le pouce. Et après, vous fermez la main, vous pouvez le récupérer facilement et rapidement. J'espère que ce tour de magie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais tout de suite une petite démo pour ce tour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous servir. Donc voilà, au revoir. Et la prochaine vidéo, ce sera du skate. Je vais la publier tout de suite maintenant. Donc voilà. Et à tout de suite, go!